Je teste la combinaison d'un abonné, épisode 13, qu'on va commencer avec la première combinaison proposée par Gamora38, donc merci à toi. Et on va se prendre Funky Kong avec la Mecha Bécane, l'Hirou standard et l'aile en or. Donc je laisse regarder les stats, c'est une combinaison qui est quand même assez lourde, il y a beaucoup de vitesse, l'accélération est pas si mal. Et la maniabilité adhérence c'est assez moyen, mais ça devrait aller en vrai je pense. Donc ouais, on va se faire une course et on va tester ça, let's go. On démarre avec le monde de glacé d'harmonie, voilà pourquoi pas. Et c'est le mien qui a été choisi et il n'y a que moi qui ai joué ça en plus. C'est assez abusé. Et en plus il y a un mec, un français, qui a un nom. Mais vous verrez bien sur l'écran des résultats. Normalement, il y a un mec qui a un nom assez particulier. Hein. Encore. Voilà. À chaque fois il y en a un limite. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. C'est vraiment une blague. Mais du coup voilà, on commence avec cette combinaison, donc Funky Kong, Mecha Bécane et Roux Standard. Voilà, c'est une combinaison un peu lourde, mais qui a l'air d'être pas si mal malgré ça. Donc voilà, écoutez, on va voir. Ok, je vais utiliser, c'est pas grave. Et là je suis en train d'y repenser, j'y repense encore, hein. Vraiment je suis désolé, mais c'est vrai. Mais la route claire de lune, je vais la faire quand? Au juste. Ok, let's go. Oh, magnifique. Let's go. Ok, let's go. Oh, la carapace, je crois que je l'ai fait se cracher contre le mur. Donc c'est nice. Donc là, je pouvais plus passer à côté. C'est pas grave. Écoutez, on va passer là. Mais genre ouais, la route claire de lune, je vous jure. De toute façon, en fait vous verrez bien. Si là il nous reste combien, 17 épisodes. S'il y a un épisode où vous voyez sur la miniature la route claire de lune, c'est que ça. Waouh, ok. Si vous voyez en miniature la route claire de lune en fond, c'est que ça a enfin été choisi. C'est que ça a enfin été choisi et que ça a enfin été... Bah oui, que ça a enfin été choisi en fait et qu'on fait enfin ce circuit. Oh, let's go, le choc dodge, magnifique. Bon, tout ça pour avoir une bombe par contre, ouais. Let's go. Oh là là. Oh, la première place, let's go. Alors que je me suis fait défoncer pendant cette course. Non, franchement, là c'était beau. Voilà, quand même, c'était beau. Et voilà, la première place. Regardez le mec qui a fini 9ème. Regardez son nom, s'il vous plaît. Voilà, vous avez vu, on a compris. Hein. Mais écoutez, voilà, la combinaison est pas mal. Par contre, j'ai galéré. Mais ça, je pense qu'il faut juste que je me remette dans le jeu. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas retourné dessus. Donc, ouais, mais sinon, franchement, je valide quand même. Deuxième combinaison proposée par Thomas. Donc, merci à toi. Et on va se prendre la Kitu avec la Yoshimoto, les roulisses et les nuages. Donc je laisse regarder les stats en soi. La combinaison a l'air d'être pas si mal. L'accélération est bonne, la maniabilité est très bonne et l'adhérence c'est assez moyen. Il y a quand même une bonne vitesse aussi. Après voilà, Yoshimoto ça dérape de l'intérieur. Donc ça va être ça la difficulté. Mais bon, comme d'hab, on va se faire une course et on va bien voir. Let's go. On enchaîne du coup avec la poursuite à Singapour. Oh, ça fait plaisir hein, vraiment. Et avec cette deuxième combinaison, la Kitu, Yoshimoto et roulisses. Donc la combinaison a l'air assez bonne, après à voir ce que ça donne quand même, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une moto qui dérape de l'intérieur. Ok. Oh, cette musique est tellement insane. Est-ce que je suis fou et je tente un snipe? Loupé. Mince. Snipe depuis le haut, franchement ça aurait été beau. Vraiment, donc ouais, franchement j'aurais bien aimé. Bon, lui par contre, il commence à faire un peu trop le fou. Voilà. C'était totalement gratuit. Ah mais attendez. Pas commencer à me... Faut pas commencer à me saouler, hein. Moi si j'ai des carapaces, après je snipe. Donc c'est à vos risques et périls, hein, très clairement. Oh, let's go. Oh là là, petit champion en première place. Let's go.
Ok. Let's go. Et je récupère quand même un item. Si possible, avoir une protection. Ok, non. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même un champi au cas où d'une carapace bleue, évidemment. Et si on n'a pas, on prendra un petit raccourci. Eh ben si, c'est bon. Je l'ai activé trop tôt. Ah, c'est pas possible. Ah, j'ai la haine. Je l'ai activé trop tôt. C'est vraiment une blague. Ok, attendez, je vais balancer ça. Snipe. Oh là là. Oh là là. Oh, ce snipe était magnifique. En deux fois, d'accord, mais... Je comptais pas l'avoir direct, mais... Oh là 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 là. Oh, le snipe était magnifique. Je vous jure, je suis super content de mon move là. Ouh. Ok, encore une première place, ça fait plaisir. Et la combinaison est franchement super bonne. Là, en tout cas, pour ce circuit, elle était vraiment très bonne. Après, je sais pas ce que ça aurait donné sur un circuit qui glisse, genre désert, neige ou quoi. Mais là, en tout cas, c'était vraiment très bon. Donc, je valide. Troisième combinaison proposée par AF. Donc, merci à toi. Donc, on va se prendre Maskass avec le Sneaker, les rouges GLA et l'aile fleurie. Donc, je laisse regarder les stats. Là, la combinaison a l'air d'être vraiment pas mal aussi. Voilà, accélération, c'est vraiment assez bon. Maniabilité, pareil. L'adhérence, c'est moyenne, mais ça doit aller quand même, hein, je pense. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes stats que la combinaison juste avant avec la Yoshimoto. Sauf que là, bon, on est avec un kart. Mais voilà, écoutez, on va faire une course et puis on va tester ça. Let's go. On continue avec la route arc-en-ciel de la Wii. Ça fait plaisir. Et là, encore une fois... En fait, moi j'ai mis aléatoire. Il y avait le parc Glou Gloop, le club Mario et puis la cité Sorbet. Moi j'ai mis aléatoire. J'étais le seul à avoir mis aléatoire. C'est tombé sur moi. Et route arc-en-ciel, let's go. Oh oh. Ok, eh, par contre, arrête de me faire nimp. Donc ouais, on est avec le Maskass, le Sneakart et les rouges GLA. Donc voilà, après à voir ce que ça va donner. Oh oh oh. Peu le peu. Ok, j'ai complètement fail. Ok. Pas de soucis. Oh la blague. Magnifique. Ok. C'est vraiment une blague. Allez, dégage. Et toi aussi. Let's go, je les ai eu les deux. Et en plus, je lui ai déglingué sa rouge là. À l'autre Yoshi là. Celui que j'ai eu au boomerang. Donc ça fait plaisir. Hop là, je vais quand même récupérer un item encore. Let's go. Oh, oh, oh. Ok, petit champi sur le sol. Magnifique. Ok. Ah, oh, mais je suis premier. Et je vous jure, je n'avais même pas vu. Aïe, aïe, aïe. Mes deux champis. J'avais deux champis. La blague. Mais oui, j'étais premier en fait. Enfin, je suis premier depuis tout à l'heure. En fait, j'avais même pas vu. Moi, j'avais vu que j'étais deuxième. Et j'ai même pas capté quand je suis repassé premier. Ok. Viens pas me saouler. Voilà. Fallait pas niaiser avec moi, c'est tout. Oh, 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 oh. Ce circuit est tellement insane, hein, je vous jure. Pou-le-pou. Ok, on passe de l'autre côté. Il a failli m'avoir, hein. Mais ça a pas été le cas. Let's go. Oh oh. Ok, magnifique. Est-ce qu'on tente un perfect ou pas? C'est-à-dire que pour cet épisode là, on vise la première place sur les 5 courses. Je crois que c'est encore jamais arrivé, hein. Là, sur les épisodes bonus. Vraiment que je tape la première place.
Attendez. Let's go. Et on part en orbite. Mais genre ouais, je crois que c'est jamais encore c'est encore jamais arrivé que sur un épisode bonus, je tape premier sur les 5 courses. Vraiment sur les 5 courses d'un épisode, je crois que c'est encore pas arrivé. Mais là on est en très bonne voie. Eh, hey, 3 courses, 3 fois premier. Et puis là bah pareil, ça s'est super bien passé. La combinaison est très bonne aussi. Donc ouais, bah écoutez, je valide aussi. Quatrième combinaison proposée par CG Player. Donc merci à toi. Donc on va se prendre le garçon Inkling avec la moto Météor, les rollers azur et l'aile nuage. Donc je laisse regarder les stats, là la combinaison a l'air vraiment très bonne aussi, hein, comme les autres. Mais là c'est une moto qui dérape de l'intérieur aussi, hein, donc voilà, ça va être ça la difficulté également. Mais voilà, on va se faire une course et puis on va bien voir, let's go. On enchaîne avec la plage Chip Chip, voilà. Donc cette quatrième combinaison, Inkling, la moto Météor et puis les rollers azur. Moto qui dérape dans l'intérieur aussi. Voilà, c'est la deuxième d'aujourd'hui. Ok, Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, hein, comme d'hab. Ok, magnifique. Let's go. Ok. Oh la blague, je me suis un peu fail, mais bon, c'est pas grave. Ok, magnifique. J'ai failli shooter le petit chip chip. Je crois que si tu touches un chip chip là, en vrai ça fait rien. Il me semble, hein. Ouais, il me semble que ça fait rien. C'est... Genre lui ça le gicle pas et toi ça te met pas de dégâts non plus. Donc voilà. Ok. Une bombe. Ouais. Si on veut après, mais. Ok. Magnifique. Allez. Let's go. Ok. J'ai super bien géré là. Oh, comme ça. Ok. Let's go. On s'en prend une protection, hein, parce que. Enfin, un double pour avoir une protection, justement. Parce que sinon, ça allait pas le faire. Ok. C'est mieux de passer sur la terre ferme, hein, quand même. Encore une bleue, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Je sais pas si vous avez vu, le Yoshi s'est pris ma banane que j'ai posée juste avant. Le Yoshi, il s'est pris la banane que j'ai posée juste avant de me prendre la bleue sur la rampe. Et c'est ça qui a fait que il m'a pas doublé. Et que j'ai pu quand même finir premier malgré la bleue. Oh. Et franchement, aujourd'hui, c'est un épisode où vraiment c'est en ma faveur, hein. Je suis content. Non, puis ça va, la combinaison, franchement, elle est vraiment pas mal. Donc, bah écoutez, je valide aussi, hein. Cinquième et dernière combinaison proposée par Zach Dupont. Donc, merci à toi. Et on va se prendre Peach Chat avec l'autorino, les roues coussins et l'aile en papier. Donc, je laisse regarder les stats, là. La combinaison a l'air d'être très bonne aussi. L'accélération est vraiment excellente. La maniabilité, c'est très bon. Et l'adhérence, pareil. Donc, voilà. Voilà, après là le souci, encore une fois, parce qu'il y a toujours un souci, hein, ça va être un peu les roues coussins, hein, comme je vous ai déjà expliqué, au niveau des dérapages parfois ça peut être un peu relou. Bah ouais, écoutez, on va bien voir, hein, de toute façon. Donc ouais, on va se faire une course et on va tester ça, let's go. Et on va terminer avec les ruines piranha, voilà. Et cette dernière combinaison, Peach Chat, Autorino et roues coussins. Donc voilà, sur le papier, hein, ça a l'air très bon. Et encore une fois, attention au... Au roue coussin, parce que ça peut nous jouer des tours. Franchement, c'est bien. Oh, let's go. Ok, ma banane, elle a arrêté la carapace, c'est cool. Mais genre, ouais, les roues coussins, ça peut être relou par rapport au dérapage des fois. Ok, magnifique. Let's go. Pourquoi pas. Je vais pas prendre les raccourcis là en flottant au-dessus, par-dessus, hein. Je vais pas prendre le risque de me fail là-dessus. Ok. J'ai eu quelqu'un, je crois. Hein. Il me semble avoir vu quelqu'un se faire dégommer.
Let's go. Let's go. Ok. Let's go, je l'ai eu. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. Non, mais on va pas perdre la première place là-dessus, quand même. Hey. Non, franchement, ça va. Pour le moment, en tout cas. Dégage. Lui, il me fait peur. Ok. Bon, ça va. Ça va. Ok. Ok. Je l'ai eu. C'est bon. Pour moi, c'est good. Oh là là. Super klaxon encore. J'espère juste qu'il n'y aura pas de boue. J'ai pas envie de prendre le risque de l'utiliser là. Non, il n'y a pas de raison que je l'utilise. Écoutez, on va faire un perfect. Eh ben écoutez, je vous annonce notre premier perfect d'un épisode bonus. Ça m'est déjà arrivé hein, de faire des perfects pendant les épisodes de la série principale. Mais les bonus, c'était jamais arrivé encore. Et voilà, encore une première place. Et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir, ouais. Qu'après, au niveau de la combinaison, franchement, elle est bonne. Mais je vous ai déjà dit, les roues coussins, moi, j'aime pas trop comment ça se manie. Après, là, dans l'eau, franchement, ça allait. C'était pas si pire. Donc, bah ouais, écoutez, je valide aussi. Mais du coup, voilà, c'est ce qui va conclure cet épisode. Donc, comme d'hab, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et bah, des combinaisons qu'on vient de faire et puis de ma performance. On continuera vos combinaisons bah, la prochaine fois. Et puis ouais, c'est ça qui est ça. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et du coup voilà, donc sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.